Salut, donc les petites conneries que j'ai pris sur Wish sont arrivées. Alors, le premier petit gadget débile, c'est ça, c'est un stylo. Hein. Alors encore une fois, j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris que les articles gratuits à 2 € forfaitaires de frais de port. Et en fait, c'est juste une espèce de connerie farce et attrape. En fait, là, ça balance une décharge dans le pouce, en fait. C'est complètement con, mais c'est marrant. Et plus c'est con, plus c'est bon. Donc, inutile, donc indispensable. J'ai eu un petit convertisseur buck là qui va jusqu'à officiellement 15 volts, mais quand je l'ai testé, j'ai pas pu dépasser les 12, puisque l'alimentation d'entrée s'arrête à 9 et qu'il est réglé pour ça. Et comme il n'y a pas de potard de réglage pour améliorer le truc, de toute façon, moi je m'en fous, je veux l'alimenter à 5 volts pour utiliser des sorties à 9 volts, et ça j'ai testé, c'est bon. J'ai pris un petit Arduino de plus. Donc le modèle, alors je crois que c'est une nano celui-là. J'ai pas vérifié. Un petit régulateur 5 volts vers 7 volts 5. Donc celui-là je l'ai même pas encore déballé. Bon, un deuxième c'est le même. Je me suis pris deux petits afficheurs comme ça, puisque j'en ai déjà un troisième, de petites matrices de LED pour Arduino, sachant que j'en ai déjà une. Donc avec les trois, j'ai largement assez de points pour faire mon rectangle en longueur et dessiner les éléments que je veux dessiner dedans. Et j'ai pris aussi une petite lampe toute simple, petite connerie, un petit peu design, mais elle éclaire pas mal. Elle éclaire même relativement fort pour la petite batterie qu'on peut mettre dedans. Voilà, c'est tout. Donc ça fait pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, c'est-à-dire pour 12 euros. Frais de port inclus. Puisqu'évidemment, on ne paye que les frais de port. Alors j'ai des très très gros doutes sur la durée de vie de ce gadget-là, de celui-là. En revanche, le petit Arduino, là, j'ai vérifié du mieux que je pouvais. Et a priori, il semblerait que ce soit vraiment le bon truc. Le petit step, manifestement, il marche bien, à part la limitation dont j'ai parlé précédemment. Donc, pas de mauvaise surprise. Ceux-là sont manifestement des originaux, hein, puisque c'est rigoureusement le même routage, le même câble qui est fourni d'origine que celui que j'ai déjà. Et ces petits adaptateurs USB, pareil. J'en avais déjà du même modèle. Et pour autant que je puisse en juger par son aspect de surface au-dessus, au-dessous et du routage des pistes, il s'agit bien des vrais modèles. Donc sur des petits gadgets comme ça, je pense qu'on peut se permettre de commander sur Wish malgré tout. Surtout quand c'est gratos et qu'on paye que 2 € de frais de port forfaitaire. À plus!